C'est pas des familles qui ont glonangé après que vous finissez au courant. Programme Biden n'a pas gros coup ça. Mais ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est plus passé 300 moun, oui, qui la cause action s'arriver. C'est plus passé 300 chrétiens vivants, oui, qui mettent ensemble, qui permettent que programme Biden n'arrive dans le niveau ça. N'a pas problème, mesdames, mademoiselles et messieurs, il y a un pile foyer qui subit là, gros choc. Il paraît pour y aller vivre un moment extrêmement difficile. Madame qui t'a appliqué pour mari, mari qui n'a pas décidé d'entrer, madame qui n'a pas décidé d'entrer, femme qui entre dans Biden tout enceinte, bagala compliqué, moun qui paye pour y'a appliqué pour yo, et puis malheureusement, mes programmes Biden fermé, application pas jamais faite, y'a pas jamais jeune autorisation, à Biden pas jamais tombé. Mes frères et sœurs amis, m'bral permettre que vous tendez, on espère, on spécialiste, nous te prenons le soin pour nous tendre, pour nous partager, toute connaissance nous, essayer de garder ensemble. Avec Luxon Saint-Ville, si ça t'a passé, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le cadre de dossier Biden, ça. Mais avant tout, nous avons une bonne quantité de chrétiens vivants qui déjà retrouvé aux États-Unis d'Amérique. Les plus passés 200 000 chrétiens vivants qui ont une autorisation pour voyager pour monter les États-Unis d'Amérique. Eh bien, après Fox News, fin la guerre, information ça d'ailleurs. Eh bien, CNN prend, tout le New York Times prend, majorité médias dans le monde reprend également. C'est là ça pral gè kouri. Et d'ailleurs, après dernière information que t'es arrivé jwenn nous te finalement comprendre que ministère intérieur, département d'État a expliqué. Donc c'est pas des moun yo rencontré dans foud, c'est pas des moun qui pral prend code, c'est pas des moun qui fin riche dans affaire programme Biden ça, ou même que sou pa jam ka confirmé, ou même que ou juste monter confirmé c'est autorisation pas de gagner, vini avec on pral tande qui ça qui passé. Poko perdu espoir, gonti le espoir toujours. En allez, m'a vini, pas j'emblie sou FSUS Haïti ou sou Maman Pemba. Mwen te di que USCIS découvri gen en pile fraude dans programme Biden nan, et gen moun qui commence pren code. Lem de ba information sa, gen pile moun qui te mal oué sa. Gen pile moun qui estime kote m'jwenn information sa, pou ki sa gen de médias pa bay li, ou même kote jwenn avèl. Gen moun ki te même indexé comme quoi c'est moi même qui a fait 10 comme si c'est moi qui a fait blanc découvrir gen fraude dans propre système pal. Alors fam di nou nan ti kras tam gen la et nan dialogue que m'gen avec des moun qui plus ou moins comprennent système nan États-Unis monte système ni en façon pour détecter fraude automatique. Ba m'redi ça m'di an. Américain qui se met système ni. Un, gen brèche pour moun faire fraude, li connaît yo. Li connaît gen brèche pour moun faire fraude. Li quitte l. Pour le capable joindre plus moun. Gen pile fois gen fraude, gen bagay moun a fait ici. Autorité fédérale yo connaît. Yo wè yo connaît, yo quitte l'aller pour yo ka rive nan sous fraude là. Automatiquement yo rive nan sous fraude là. Yo pral fè moun ki nan tête bagala bay tout chaîne nan net. Et yo pa pressé. Yo calme. Enquête fédérale ici. Li prend tant qu'il faut. Et a rive sous moun ki concerné. Donc moi te vle faire mise au point ça pour m'essayer expliquer nous que pas gen moun ka pa tirer attention autorité américaine yo sous cas de fraude y a détecté l'automatique moun pa besoin di yo et y a pou elle y a quitté le marché pour yo capable aller dans sous ça yo met ou à l'aise ou absent ou à l'aise dans fraude là. Jusqu'à ce que le système nan just kembo comme ça. Et là, le kembo, le pap kembo seulement, la kembe tout le monde qui nan chaîne nan. C'était une mise au point d'a fait par rapport avec information ça que m'te poste yon le m'te ba en pile moun problème. Mais surtout, tout le monde qui nan fraud yo, qui te gen problème. Bon, moi même, comme journaliste, sous sim, pour m'ba information, fait que m'bagay sentiment. OK? Qui sa information? Moi y a plusieurs moun qui tag moi
en bayon information qui a circulé, ça a gagné quelques heures de temps. Bon, mon seconde, m'a juste en tout cas peu climatiseur. Désolé, me faut déplacer pour quelques secondes. Gagné plusieurs moun qui tag moi en bas en information concernant Biden. L'aime garder moi information c'est qui ça lié c'est que Fox News fait connait que yo suspend programme Biden nan à cause des révélations de fraude. Les moun yo tag moi me dit que ba regarder qui ça lié rapidement m'aller sur Fox et puis effectivement moi ouais information. Moi li article là. Mais avant faut tout moun kap suiv la konnen et comprenn que nous n'ayons contexte politique. Nous allons venir sous ça puis devant. Et éventuellement m'ka gen Maître Friendly Julien qui ka monté dans live là qui ka gardé en jeu technique légal mais tout en jeu politique. OK? Donc Fox News sont médias qui pro républicain, OK? Li gen intérêt dans information ça. OK? Donc ça veut dire Fox News pas ta bay chance ça même à démocrate pour ta gon information comme ça pour le baba li. Elle dit qu'il te joindre ni li préciser, li vérifier, li contre-vérifier, li joindre des sources qui dit la plagel. Parce que ça a fait affaire républicain qui déjà t'es en face programme. Maintenant, qui sa information en dit? Fox News fait qu'on est gagné ministère sécurité intérieure États-Unis, ça aurait le Department of Homeland Security, DHS. Di yo fè un ti suspend sou programme humanitaire Biden nan après diffusion yon rapport interne, ça veut dire un rapport interne nan DHS qui fait état de yon bon quantité de magouille nan kadre programme. Ça c'est premier élément information que Fox bay. Et Fox allait pi devant pour le dire et c'est ça qui t'a attiré attention. Et gagné yon source nan Congrès américain qui dit section digitale Fox News, yo décide de font ti campé parce que rapport interne a montré quantité fraude y a parlé yo, c'est surtout nan demande que sponsor yo a fait, c'est pas bénéficiaire yo. Bon, m'expliquer nous ça. Fox dit sous li gen nan Congrès dit que yo te mette programme nan sous pause ou bien pran ti pause nan délivré autorisation voyage nan mitan mois juillet après que rapport interne ça que n'a parlé de l'IA li montre yon gros quantité de fraude. Mais c'est surtout dans demande que sponsor yo a fait. Mais pas bénéficiaire. Dans même article ça DHS qui c'est Department of Homeland Security
actuellement mette en place yon mécanisme, ça veut dire yon moyen, yon façon pour examiner, détecter et puis prévenir tout cas de fraude et puis abus dans procédure immigration yo dans cadre programme. Et dans l'article, Fox News dit, ministère américain sécurité intérieure, qui c'est DHS, prend très au sérieux problème ça. Soit fraude ou bien abus dans le cadre de procédure. Yo. Fox News dit que le fraude yo identifié, service immigration à travers ICE, ICE qui c'est une entité de immigration, a mené enquête et puis engagé poursuite devant tribunal immigration, devant tribunal immigration, et a transmettre plainte pénale au ministère de la justice. Tenez ça bien. Fox News fait qu'on est dans l'article. Automatiquement, kafoud yo identifié. Ça arrive yo identifié yo déjà, mais yo vle prudent. Yo dit automatiquement kafoud yo bien identifié. USCIS à travers entité qui c'est ICE, qui qu'on habitué à l'arrêter bon pour ka immigration. Yo pral mener enquête, engager des poursuites devant tribunal immigration et transmettre plainte pénale yo by ministère de la justice. Et puis devant, Fox dit dans l'article là que responsable yon dans DHS dit par souci de prudence, yon font camper temporairement sous question by autorisation voyage anticipé pour nouveaux bénéficiaires. Pendant que y'a examiné demande yo. Tenez bien ça. Responsable yo, autorité américaine yo dit que yo font ti campé sous bay autorisation. C'est peut-être ça. Gan pile moun a pour dernier temps ça yo, captain autorisation voyage depuis 1 mois, 2 mois et même 3 mois. Yo pas ka joine. Donc depuis mi-temps mois juillet, yo font ti campé nan bay autorisation voyage. Yo di yo pren décision ça pour moun surtout nouveau bénéficiaire captain yo pendant que y a fait examen de demande sponsor. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire on moun nou fin bon ou ap tann autorisation voyage yo poko baoul mais y a gardé pour yo est-ce que moun ki te file pour walte li pat nan magouille. C'est ça ça veut dire. Puis devant DHS qui c'est Department of Homeland Security, ça aurait le ministère sécurité intérieure aux États-Unis, dit il y a pour prendre traitement demande yo aussi rapidement que possible avec des garanties appropriées. Peut-être parti ça li capable bay moun un petit lueur d'espoir, j'ai encore dit là en français. So autorité yo, yo pa di yo campé net sou li. Y a examiné, y a mené enquête. Mais en attendant enquête ça mené yo font ti campé sou li. Mais yo di y a reprendre traitement demande yo aussi rapidement que possible avec des garanties appropriées. Ça veut dire si y a reprendre analyse demande ou bien traiter cas ou traiter application yo fois ça y a bien garantie appropriée. Ça veut dire y a bien temps détecter toute fraude yo à l'avance, il pas même getan arrivé dans niveau ça. Donc voilà en gros qui sa nouvelle là et gagne un source dans congrès qui dit Fox News que
depuis 6 juillet, vous avez commencé à camper dans la question de l'autorisation de voyage à Vénézuélien. Et suite ensuite, jusqu'à 18 juillet, vous avez campé dans la autorisation pour trois autres pays qui sont Haïti, Cuba et Nicaragua. Nous connaissons ces quatre pays qui sont en deux programme Biden. Ok. Si mal et puis devant. Gopati qui est intéressant dans l'article. Mais c'est traduit, mais je vais regarder anglais et français, je vais traduire jusqu'à présent pour qu'on finisse bien saisir. Yo dit que rapport interne ça que n'a parlé a révélé que application bon série de applications qui gagnent des numéros de sécurité sociale qui gagnent des adresses et des numéros de téléphone qui utilisaient des centaines de fois. M'pa comprendre ça veut dire. M'lil traduit même pas fin trop comprendre. Bon, je reprends samedi. Fox News dit rapport interne ça que n'a parlé a. Il révèle que gagne des formes, gagne des applications dans programme là que yo wè qui gagne des numéros sécurité sociale. Elle dit social security moun yo numéro social yo, adresse et numéro de téléphone qui utilisé des centaines de fois. Bon, est-ce que y a des monde qui utilisent ba yo plusieurs fois pour plusieurs monde? Ça a menti, j'ai pas fini trop clair. Et puis devant, yo dit que gagne des extraits dans rapport que Fox News yo transmet ba li. Gagne Fédération Réforme Immigration Américaine qui c'est un groupe conservateur sous immigration qui montrait gagner 100 900 combien presque 101 000 applications qui remplies par plus de 3 000 sponsors en série qui montrait que gagner des numéros qui paraissent sous n'importe 20 formes 20 applications ou bien plus que ça. Baron, si vous comprenez. Gon extrait dans rapport à Kajon Fox qui dit que gen plus que 100 000 applications remplies par plus de 3 000 sponsors. Yo wè là-dedans yo gen de numéro qui paraît sous n'importe 20 applications ou bien plus que ça. Et étude la révélé tout que 24 sous 1000 numéros qui plus utilisé yo c'est pour des moun qui mouri déjà. Beaucoup comprennent pas ça. Beaucoup comprennent pas ça puisque comment utiliser des numéros des moun qui mouri déjà pour mettre dans des applications. Et on l'autre côté, on dit que gagne environ 100 adresses physiques qui utilisaient mais ont utilisé entre 124 et 739 fois sous plus passé 19 000 applications. On dit que par exemple, un numéro téléphone, un sponsor, remarqué, qui soumet sous plus que 2000 applications et 2839 applications, ça a gagné des codes postales des sponsors qui pas même existé. En pile baye kap di la vraiment bout côté en dé yo
Et quand on va tomber sur lui, femme c'est quand on va lire article là. Il y a plusieurs postes pour faire sur ça mais c'est quand on va lire article là. Et ça qui pi m'a dit grave mais pi sensible dans ça m'a dit là, c'est parti ça. Department of Homeland Security ça ou le DHS là. Yo fait Fox News connaît avant bénéficiaire yo rivé sous territoire américain, yo fait un contrôle approfondi pour yo rassurer yo que moun sa bien entré. Et yo dit que jusqu'à moment n'a parlé là, yo fait des contrôles à plusieurs niveaux. Des contrôles avancés sous voyage moun yo. Yo pas vraiment identifié de problèmes qui liés avec bénéficiaire yo. Donc yo plus ou problème nan beaucoup de sponsor yo que bénéficiaire yo. Donc ça veut dire majorité analyse y a fait yo. C'est plus sous sponsor yo, moun kap fait application. Ça, c'est l'essentiel de l'article. Pour moun qui fait monter, Fox News, qui c'est un média qui pro-républicain, révèle jodi a que autorité yon nan DHS, qui c'est Homeland Security, di yon font ti campé sous programme Biden nan, parce que gen un rapport interne qui révélait gain en pile magouille. Ça ou les fraudes en français. Article a continué pour le dire. Dans mi-temps mois juillet, autorité CBP était obligée par prudence font campé dans bay mon autorisation voyage. En façon pour yon capable mener enquête et garder qui sa bagay la. Et puis devant, responsable yon dit, yap mener enquête, yap identifier moun ki nan fraud yon, yap intenter des actions en justice contre yon devant tribunal immigration et plainte pénale yon pral jwenn ministère de la justice. Donc voilà en gros qui sa information est. Donc, c'est ça me voulait nous retenir, c'est que c'est une suspension de programme. Ça veut dire si n'a pas dit en bon créole, programme n'a fond campé à cause magouille. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.